Allons à la période de questions qui vient de débuter avec le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay. Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec dit que cet hôpital-là est vétus, non fonctionnel, puis qui manque de lits. La demande est faite par le CIUSSS depuis 2 ans, mais soit de bâtir un nouveau bâtiment ou un agrandissement, mais rien n'est inscrit dans le PQI. La CAQ abandonne là aussi les citoyens et les citoyennes. Les rattrapages en chirurgie, ça fait 3 annonces de prétendus plans de rattrapage. À chaque fois, la situation empire. En juin 2022, le ministre disait on va passer de 150 000 à 100 000, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est 164 000 patients qui sont en attente d'une place pour avoir leur chirurgie. Le ministre jovialiste dit que c'est une bonne nouvelle dans l'augmentation qu'on vient d'avoir, c'est qu'il faut regarder où est-ce que ça augmente. Premier ministre, partage-t-il le jovialisme de son ministre? La réponse du premier ministre, je vous rappelle qu'on interpelle nos collègues par leur titre. Monsieur le premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, effectivement, c'était 5 ans qu'on est au pouvoir, mais il ne faut pas oublier avant qu'il y a eu 15 années libérales sans pandémie. Sans pandémie, le chef de l'opposition officielle semble vivre dans une bulle. Moi, je l'invite à aller voir ce qui se passe en Ontario, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe à peu près partout dans le monde suite à la pandémie. Madame la Présidente, je pense que les Québécois sont capables de comprendre que pendant la pandémie, parce qu'il fallait soigner les patients qui étaient atteints du virus de la COVID-19, a fallu reporter des chirurgies, puis on en a encore pour plusieurs mois pour faire ce rattrapage. C'est comme ça au Québec, c'est comme ça à peu près partout. Maintenant, je n'ai pas entendu aucune proposition concrète du chef de l'opposition officielle. Pourtant, dans son discours tantôt, suite à l'arrivée du député Jean Talon, il nous a dit qu'il nous arriverait avec des propositions concrètes. Donc, j'attends ces propositions. En tout cas, de notre côté, je pense qu'on avance. Il y a de plus en plus de Québécois qui ont accès à un groupe de médecine de famille. On forme des préposés aux bénéficiaires. On a augmenté le nombre de médecins qui sont formés dans nos facultés en santé. Donc, que propose le Parti libéral? Première complémentaire. Madame la Présidente, ça fait 5 ans qu'on se désombre en y proposant les projets ratios. Il les nie, il ne les met pas en place. Aujourd'hui, il ramasse son incurie. Il y a 5 mois, le ministre a annoncé, lui, 400 millions pour accélérer les chirurgies. Du 400 millions, il y a 0 $ qui a été dépensé. La raison, le comité du ministère n'a pas fini ses travaux. C'est ce qui fait dire au président de la FMSQ de parler de l'incapacité du ministère. Alors, autre annonce pas attachée d'un gouvernement brouillon. À travers toutes ces promesses, que vaut la parole du premier ministre? La réponse du premier ministre. Oui, bien, le chef de l'opposition officielle nous parle du PQI. Pour ceux qui nous écoutent, là, le PQI, c'est le plan québécois des infrastructures. Donc, ça vient additionner les projets en santé, en éducation, dans le transport. Et quand on est arrivé, le PQI du Parti libéral, sur 10 ans, c'était 100 milliards. Actuellement, le PQI du gouvernement de la CAQ est à 150 milliards. Donc, on a augmenté de 50 % le plan pour les infrastructures parce que le Parti libéral s'est traîné les pieds pendant 15 ans. Maintenant, quand le chef de l'opposition officielle nous parle, je reviendrai, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, il vient de parler de milliards dans le PQI, puis il n'y a rien qui sort de terre. Plus tôt, j'ai référé que le ministre avait mentionné 400 millions, il y a 0 $ de dépensés. Le bloc opératoire sont sous-utilisés. Selon le ministère, le taux acceptable d'utilisation, c'est 85 %. Au 30 septembre, les blocs opératoires fonctionnaient à 74 %, ce qui faisait dire au président de la FMSQ, le ministère de la Santé n'assume pas ses responsabilités. Le voyez-vous comment le gouvernement, Madame la Présidente, caquiste, est incapable de livrer? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, quand il parle de projets qui ne sortent pas de terre, moi, je l'invite à aller rencontrer son ancienne collègue de Vaudreuil, l'hôpital de Vaudreuil. Pendant 15 années, les gens de Vaudreuil parlaient de ça, puis c'est rien passé avec les gouvernements libéraux. Maintenant, je voulais revenir, Madame la Présidente, sur les projets ratios. Madame la Présidente, on peut bien demain matin mettre tous les ratios infirmières-patients qu'on veut. On prend où les infirmières?
Est-ce qu'il peut commencer à nous donner le début d'une réponse? On les prend où, les infirmières? Troisième complémentaire. Alors, Madame la Présidente, quand on lui proposait les projets ratios il y a 5 ans, quand on lui disait « faites-le », le premier ministre niait la pénurie de main-d'œuvre. Voilà. Puis il a fait ça pendant 3 ans, les 3 premières années de son mandat, il a nié la pénurie de main-d'œuvre. 14h44, alors voilà, il est question du côté de Marc Tanguay des libéraux des 400 millions de dollars qui dorment actuellement, qui sont destinés à mettre de l'avant le rattrapage des chirurgies dans les différents hôpitaux du Québec.